Réunion. Bonjour à tous. Ben aujourd'hui, nous sommes du côté de Saint-Lazile, île de Vitotte, où ça nous a rencontré une belle petite famille dans la pure tradition réunionnaise. Là, mais dis pas ça de plus, mais dis pas de prénom, mais dis pas rien. Nous, ça va là. Et nous ne perdons pas de temps, Alice. Nous ne perdons pas de temps. Ben là, on va monter à nous que ça se mette dans notre vitrine aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez Roger et Fils. Moi, c'est Tony. On a 34 ans. Olivier Nicolas, gérant de la charcuterie traditionnelle de Saint-Lazile chez Roger et Fils. Donc, ça te disait à nous la part qu'aujourd'hui, c'est le jour. C'est le gros jour du boudin aujourd'hui. Alors, déjà, mon première question, qui ça l'a apprendre à se faire ça là? C'est l'ancien, papa. On a apprendre à nous faire ça, oui. L'ancien, alors? Voilà. Il y a un an et demi, tout juste, que m'a repris l'activité de papa. Du coup, voilà, pour moi, il fallait imiter, garder cette tradition et surtout, moi aussi, je ne voulais pas perdre le goût parce que qui ça n'aurait fait une recette comme ça aussi, donc on a continué à garder. Là, c'est uniquement les épices, ça. Nous aussi, sont au gras, le PSI, les oignons verts et puis d'autres épices que nous mettons dedans. Ça tu gardes secret. Voilà, tu gardes secret. Et attention, maman, il est chaud, chaud, chaud. Avec voilà. Le pain. Donne-lui le sang de pain, là. De pain, le sang avec de pain. Allez, hop, on va vite, tout ça. Ah oui, c'est là qu'on voit que le tablier est important. Hein. Et là, ça tira jusqu'au dernier miette. Hein. Voilà. La charcuterie traditionnelle représente pour moi, c'est le goût longtemps, travailler toujours avec cette viande pays, mettre ça en valeur. Quoi. Ce que papa l'a fait, ben, Noro fait exactement ce qu'il y a fait. Nicolas, fait un goût de sel, là il va goûter, mais Daniel aussi, tu veux goûter d'ailleurs. Ah, ben, moi, il goûte même, moi. Oui. Goûte. Alors, nous va goûter ensemble, si vous voulez. Prends bien toi dedans, ça. Et fais péter, maman, fais péter, fais pas le temps, là. Allez, fais pas le temps.